Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Distrain 2, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! De Ratalinka Games et Jesse McKinnon. On avait terminé le 1. Bien sûr que tout est carré. Mon nom est Price. M'associer à McDade, Broughton, Moore, j'ai dû expulser des gens de leur domicile. Il était mon travail. Mais il était devenu évident que ce n'était pas mon genre de boulot. Il y avait cette adorable veuve âgée nommée Madame Goulouin. Mrs. Je lui ai confisqué son toit. Quelque chose s'est brisé en moi. Elle ne m'a jamais fait de reproches. Pourtant, je ne pourrais jamais me le pardonner. Notamment après son décès. À la fin, j'ai perdu toute envie de vivre. Décidé à mettre fin à tout cela, j'ai mis le canon de fusil dans ma bouche. Prologue. Raison. Appuyez sur pour contrôler les déplacements quelque part dans l'au-delà la première partie. Est-ce que... Où suis-je? Je ne devrais pas exister. Je ne devrais plus exister. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne comprends pas. Appuyez sur A pour l'étager avec les objets, environnement ou les personnages. Excusez-moi. Où suis-je et qui êtes-vous? Je suis Raison. Malheureusement, j'ignore comment te répondre de façon compréhensible. Mais je serai ton guide si tu me le permets. Ton guide? Je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Je ne comprends pas. Je suis une partie de toi. Nous sommes liés. Raison. Ouais, je comprends que tout cela soit déroutant. Quel est cet endroit? Une question à laquelle il est difficile de répondre. Je ne peux l'expliquer. Je ne comprends pas, j'étais prêt à appuyer sur la gâchette. Ouais, je ne suis pas sûr que je puisse exprimer tout cela par des mots. Mais vous avez fini à cet endroit pour une certaine raison. Je voulais juste partir. Je ne me supportais plus. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Oui. Vois-tu, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore expérimentées. Tu as besoin d'apprendre comment te pardonner. Je ne suis pas sûr de pouvoir. Cela serait difficile dans la situation actuelle. Peux-tu me faire confiance? Tu dois te retrouver. Tu dois trouver espoir. C'est le seul moyen de te re-soigner. Tout cela est tellement accablant. Je t'en prie, trouve espoir et tout changera. Je vais essayer. C'est tout ce que je peux te demander. Nous nous reverrons bientôt. Je
a commencé. Pouvez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Hey. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quelques années auparavant. Elle ouvre la porte. Merde, il se passe quelque chose de louche ici. Le voile rouge, première partie. Pourquoi suis-je ici? Suis-je mort? Ou suis-je vivant? Bien oui. Si vous devez se détacher facilement. Comme j'ai trouvé. Cadran de lavage. Merci, quelque chose vient de bouger dans la lampe. Je me demande si cela va bien ici.
appuyer ce pour tourner le cadran de la neige. Me paraît si familier. Il doit y avoir quelque chose dans le glaçon. Je sais que ça va fondre un peu des instants. La clé mais pas dans la parenthèse. La source de la flamme. Rien, quelque chose derrière le canapé. Je me demande si je peux déplacer le canapé. Quoi ce truc? J'ai besoin de voir plus près. Je vois qu'il manque une pièce, ça doit être bien aussi. Si je veux accéder. Voilà la clé. Ah, j'ai dû ouvrir la porte. Oh mec. Où est-ce que je vais?
essayé de me laisser partir, hein? Désolé, je ne crois pas vous connaître. Hein? C'est moi ton vieux pote avarice. Et tu dis que tu ne me connais pas, hein? Attendez-vous de moi. Je veux que tu m'oublies pas. Tu auras besoin de moi et de mon caractère impitoyable. Comment pourrais-tu réussir sans moi? Écoutez, j'ai déjà essayé de m'en changer pour une raison. Peut-être que pas réussi sans tout. Peut-être que j'aurais mené une meilleure résistance. Hein, une meilleure résistance? Tu as eu ce que tu méritais. Tu aurais dû rester avec moi, tu aurais tout eu. Mais ça peut être pas trop tard. Ouais, c'est vraiment dégoûtant. On peut être ensemble. C'est tout bon. Quoi encore? Alors, serais-tu encore en train de faire les tiennes? Présent, tu n'es pas né ici. Silence. Toutes mes excuses pour ces interruptions. Écoute-moi. Il est vrai qu'il t'a aidé à atteindre les objectifs. Mais tu es jeune. Tu es encore jeune. Savais-tu que tu voulais? Bien sûr qu'il le savait. Tu savais que je savais, nous le savions tous. Tu as besoin de moi et tu as raison. Tu ne peux pas le renier. Seul moi le fait avancer Kyo le ferait sinon moi. Ouais, tu n'as pas complètement tort. Mais peut-être qu'il a besoin de prendre un autre direction dans la vie. Hein? Tu dois me faire confiance. Pars et réveille espoir, il est le seul à pouvoir t'aider. Attends, n'écoute pas ce que je dis. Se passe-t-il? C'est que ça. Je sens que j'en aurais besoin. Y avait-il pas une porte? Je pense. Et ensuite?
la fossilité de temps. C'est censé. Que signifie tout ça? Cette chose m'a eu. L'espoir est m'a abandonné. Ce sont des contrats. Des contrats signés par des clients et moi-même. Madame Godwin, Madame Monsieur Taylor, je n'ai pas compris les enjeux quand je leur ai demandé de signer. Si seulement. Pour répondre à ta question, je suis agréé. J'en ai assez de vous. Fichez-moi la paix. Je ne disparaîtrai pas. Je peux sembler méchant, mais personne ne peut sauver sans moi. Je vous sens depuis si longtemps, je n'en peux plus. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de vous. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu m'apprendras pas sans moi. Tu m'apprendras pas sans moi. Mon objectif est de te faire souffrir. Et ce faisant, je vous traque. Allez vous faire foutre, vous ne pouvez plus m'atteindre. Bientôt, mon ami. Maman, papa, pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes une partie de tes souvenirs, nous sommes tes parents. Nous ne sommes pas raison et espoir, ni amour ou autre. Nous agissons à leur place dans les endroits qui ne leur sont pas accessibles. Tu es dans un endroit sombre, mon fils. Comment vas-tu, mon chéri? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ressentir quoi que ce soit. Et c'est exactement pourquoi nous sommes ici, mon fils. Ton père a raison. Nous sommes là pour rappeler que tout n'est pas perdu. Il reste toujours espoir, il reste toujours une raison pour laquelle il faut se battre. Nous sommes conscients que c'est difficile à supporter la crise. Vous me manquez terriblement. Tout va bien. Ne t'inquiète pas pour nous, mon chéri. Nous nous reverrons certainement le moment venu. Une 100 ans pour que nous puissions partir d'ici, mon fils. Tu as raison, chéri, le café est mauvais ici. Mon fils, c'est amour qui nous a envoyé ici. Cet endroit sombre, tu dois t'en échapper. Autrement, il te consomme petit à petit. Je n'aime pas cet endroit non plus. Que dois-je faire? Fermez les yeux, mon fils. Prends une profonde respiration et concentre-toi, mon chéri. Imagine la lumière. Appuie sur A pour ouvrir les yeux. Ok, c'est différent.
amène espoir. Il manque un bout de clôture. Je suis presque tenté de la réparer. La bande-ci. Il y a aussi du bois là-bas. Peut-être que je pourrais réparer la clôture. Une rangée de patates. J'adore l'odeur. Ça c'est une cabane à outils. Je ne devrais pas fouiller. Charmant petite maison. J'ai une bande qui vit ici. Chérie, as-tu réparé la clôture? Désolé, non, pas encore. En t'entend, pendant ce temps, je prépare une tarte aux pommes. Et? Chérie? Mais comme ça, il y avait... Il a d'avoir mon âge, cependant. Je dois admettre que c'est très agréable. Bonsoir. Il va avoir besoin de bois et d'outils. Il doit y avoir un marteau ici. Jetons un coup d'œil. C'est tellement calme et tranquille ici. J'aime plutôt ça. Et d'outils. Répare la clôture. Ok, je vais avoir besoin d'un marteau. Je devrais le faire. Je n'aurais jamais pensé à aimer ça faire ça. Bien lui. Tu t'amuses? Ouais, je crois que oui. Je pense que je me répète, quel est cet endroit? Je suis ravi de te voir, ce sourire illuminé sur son visage. Tu es dans le domaine d'espoir. Cet endroit est une illusion, mais il reflète la réalité. Illusion? Ouais, j'ai pensé que je ne pouvais pas rester ici. Lara, ne sois pas de mauvaise humeur. Je t'ai dit que cela reflétait la réalité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Regarde autour de toi. Pourquoi cela ne te pourrait-il pas être ton avenir? Pourquoi mériterais-je de telles choses? Toutes ces vies que j'ai ruinées. Tu es bien trop dur avec toi-même. Tu faisais juste ton travail. Tout ce dont tu avais besoin, c'est de changer de voie. Mais tu as gardé tout cela en toi pendant trop longtemps. Merci. J'ai essayé. Vous savez, mais cela n'est pas chose aisée. Moi-même, je suis laissé aller. Eh bien, ceci est ton chemin vers le salut. Ce n'est pas censé être facile. C'est une bonne occasion de regarder un peu plus autour de toi. Regarde tes batteries avec cette lumière régénératrice. Tu en auras besoin dans le noir.
Merci encore. Raison de... Je ferai de mon mieux. Hey, ok, je rentre. Toujours là, Charlie? C'est bien, de retour à la triste réalité. La lutte. Je cherche probablement M. Blackwell. Ne va pas plus loin. Pourquoi je vous rechercherai? N'est-ce pas évident? Il est venu me voir en direct. De toute évidence, ma réputation m'a précédé. Exact. Que faites-vous donc? Encore à jouer les ignorants? Très bien, je vais jouer ton jeu. Je suis un homme accompli. Je suis brave, sans peur, beau, très populaire parmi ces dames. Toutefois, mais George Blackwell, je maîtrise l'art des cartes. Je suis imbattable. Tant mieux pour vous. Eh bien, je dois y aller. Attends, attends, je n'ai pas fini. Je pourrais continuer encore et encore à propos de mes faits. Mais tu es à nouveau ici, non? Bien vu. Dans ce cas, permets-moi de t'expliquer une chose. Nous sommes un peu... bien... On pourrait dire que nous sommes coincés ici. Dites-moi en plus. Vois ce gorille là-bas? Une fois par jour, un seul d'entre nous peut partir d'ici. Mais seulement pour quelques heures. Continuez. Nous avons eu cet accord avec les autres personnes. Une fois par jour, nous jouons en cartes. Et le gagnant a le droit de sortir. Une chance de résoudre l'énigme au-delà de la porte. Heureusement, je suis le maître des cartes. Je n'ai jamais perdu. Et c'est pourquoi c'est moi qui passe cette porte à la fin de chaque journée. Y compris, vous êtes fort. Pensez-vous que je puisse participer? Toi, contre moi? Bien sûr, petit. Ce serait amusant. Je suis impatient d'y être. Il y a quelque chose de louche chez lui. Je sais. En toute attente, il continue de gagner. Tôt ou tard, sa chance tournera. Pourtant, c'était stupide de s'entendre sur ses conditions. Aujourd'hui, c'est notre tour de briller au jeu. Je l'espère, mon cher. Hey, que faites-vous? C'est mal poli de ne pas répondre, vous savez. Hey, arrêtez de crier, laissez-moi tranquille. Hey, silence. Pourquoi voudriez-vous? Je suis désolé, avez-vous besoin d'aide pour cette année? Non, c'est à moi. Arrête de crier, c'est notre invité. Ne le laisserais-tu pas t'aider? Tu as déjà passé plusieurs jours sur ce truc. Silence, femme. Monsieur, vous ne me criez pas dessus comme ça. Il ferait mieux de lui donner ce puzzle à autre chose. Je suis désolé, mon amour. Bien. Il n'y a aucun moyen. Je vais essayer, merci. D'accord. Je peux passer, s'il vous plaît? Peut-être plus tard. Où penses-tu aller ainsi? Ça pourrait être ma chambre, tu sais. Désolé.
Je vois que tu es revenu pour écouter mes hauts faits. Une fois que j'ai battu une belle gigantesse, peut-être une autre fois. Être un homme intelligent. Et merci. Avais-tu besoin de quelque chose? J'ai du mal à résoudre ce puzzle. Pourriez-vous m'aider? Non, on ne demande pas tant. Moi, George Blackwell, je suis un maître des cartes. Passez-moi, s'il te plaît. Et voici. Maintenant, laisse-moi me concentrer dessus et cela ne devrait pas prendre longtemps. D'accord. Avance. Et oh, il est très concentré. Non, je rentre dans la salle avant qu'il est concentré. C'est un coffre fait d'acier épais. Acheter quelque chose. Pour le savoir, je vais mettre la combinaison. J'ai juste besoin d'un stylo et je pourrais écrire la solution. Le gamin serait stupéfait de voir à quel point je suis génial. Peut-être même qu'il me récompensera. Oh, que c'est excitant. Joji Boy. Concentration, la combinaison. 6, 4, 9. 6, 4, 9. Il a ouvert toi. T'es prêt maintenant. J'ai mon stylo. 6, 4, 9. Peut-être que je devrais m'habiller pour vraiment impressionner ces gosses. Ouais, je crois que c'est super impressionné. Pas une fois, ça reste trop. Ouais, je vois le il est en impressionné. C'est ce qu'il y a de neuf. Ouf, c'était juste. Pas autant que tout. 9. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, je l'ai. Il triche avec ses cartes. Le gadget tire un as de sa manche. Pas été un qui gagne tout le temps. Je pense que je pourrais le saboter. Je devrais le faire. Il ne se rendra pas compte de rien avant qu'il ne soit trop tard. Avance. Waouh, il est très concentré. Comment diable fait-il pour gagner à chaque fois? Méfie, calme-toi chérie. Bah non, je suis d'accord, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Encore cette chose, je suis effrayé. Oui, me voilà. Approche-toi. Je vous déteste, dégagez. C'est trop sombre ici. Est-ce que vas-tu te mettre à pleurer? Il ne vaut rien. Je vous en prie, allez-vous-en. Mes camarades d'école se moquent de toi. Oh, attends. Il n'a pas d'amis. Méchant, ça. Tes parents ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas de toi. T'abandonneront. Maman. Papa.
Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? As-tu fait un mauvais rêve? J'ai encore entendu chuchoter. Mon petit, tu n'as pas de raison d'en avoir peur. C'est seulement ton imagination. Il y a quelqu'un dans ma chambre, maman. J'ai peur. Il n'y a personne, n'aie pas peur. Tout ce temps différent dans le noir. Mais tu t'es pareil qu'en plein jour. Je devrais retourner au lit. Demain est un grand jour. Quel jour, maman? Sois raisonnable. Demain, c'est ton anniversaire. C'est demain? Youpi. Chut, papa dort. Ne le réveillons pas. Désolé, maman. Maintenant, retournons au lit, chérie. Ok, maman. Bonne nuit, chérie. Enfant, je faisais souvent des cauchemars. Mes parents étaient toujours là pour moi. Aujourd'hui, nous gagnerons, chérie. J'en suis sûr. Je l'espère, nous n'avons jamais gagné jusqu'à maintenant. C'est juste une question de temps. Avez-vous réussi à résoudre l'énigme? C'est trop difficile pour moi. Ah! Il m'a suffi d'y pencher dessus une seule fois et ce fut résolu. Facile, encore une fois, tout est facile pour moi. Tiens, prends ça. Tu seras stupéfait. À résoudre l'énigme. Je pense que vous aimeriez peut-être les récupérer. Vous avez réussi, hein? J'en suis pas sûr. Ça va être ta fierté pour une fois. Oh oui, mon amour. Ok, alors, voyons ça. Quatrième, à gauche, ça, et triangle. C'est l'heure, mon cher. C'est l'heure de quoi? De jouer aux cartes. Vous pouvez nous joindre à nous, je suppose. Bien sûr qu'il peut se joindre à nous et t'a aidé. Bien, les règles sont simples. Le gagnant a le droit de sortir. Jouons. Et comment allez-vous tous? Je me demande si Monsieur Blackwell va encore gagner. Je ne compterai pas là-dessus. Vous serez surpris, hein? Peu importe, je me sens chanceux aujourd'hui. Ah, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu d'adresse. Et donc, il n'y a qu'un seul résultat possible. Vous êtes trop confiant, Monsieur Blackwell. Pas toujours gagner. L'avenir nous le dira, madame. Toujours la même chose. Ne pouvons-nous pas simplement nous entendre que les meilleurs gagnent? Non. Les gagnent tout le temps et c'est louche. Tu as raison, mon cher. Mais nous sommes préparés. Hein? Pas t'entendre jouer, d'accord? Bon, alors montre-moi vos mains. Reine de pique, 10 de cœur, valet de trèfle, 8 de pique, roi de carreau. Le nouveau est en train de gagner. Le barreau a besoin d'un as pour gagner. Pas moyen qu'il sorte, ça. Bon, imbécile. Regardez-moi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Blackwell? Je le savais. Il triche. Non, c'est juste que... Ça le fouine. Vous ne comprenez pas. Je suis si prêt. Vous n'avez pas ce qu'il faut. La ferme. Se calme, s'il vous plaît. Mon cher, tu sais quoi faire? Oui, allons-y. Non, quoi? Attendez. Monsieur. Thank you.
Que vient-il de se passer? Je dois continuer à avancer. C'est un vieux projecteur, il semble qu'il manque une bobine de fil. Qu'est-ce que c'est cette machine? Établi pour monter les films. Je laisse pas me brancher et voir ce qui se passe. De la porte. Donc une bobine. Comment te sens-tu? Confus? Que se passe-t-il? Raison. Progresse. Je ne ressens pas vraiment cela. Oui, tu ne peux pas te rétablir qu'un petit pain. J'ai vraiment besoin de comprendre des choses. Savoir n'est pas comprendre. Et tu ne pourras pas comprendre certaines choses que lorsque tu te retrouveras, lorsque tu retrouveras espoir. J'ai compris, on retrouve espoir, tous mes problèmes seront résolus. Pas besoin d'être sarcastique. Rien n'est simple. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Je suis désolé, je ne saisis pas. Tu n'as pas besoin, pas, mais pas maintenant. Mais si tu persévères, tu finiras par réaliser et tout comprendre. Je vous remercie pour notre pour votre soutien à raison. Sois fort. Car ça n'est pas utile, comme tout ce qui tend au ciel. J'avais une tapis de montage de fil. L'horloge.
la fusée, la chaise roulante. Comme ça. Il n'y avait aucune image, quelque chose doit manquer. Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est bizarre ça. Comment allez-vous, monsieur? Pas trop mal. Et vous? Je suis réconfort. Réconfort. Alors, est-ce que vous avez besoin de moi? Oh, cette fois, je vous offre une bouteille de vieux scotch. Mais je ne la battais pas comme un cowboy. Ça pouvait l'air. Eh bien, je peux apprécier un scotch de qualité. Mais la dernière fois que j'en ai eu, c'était mal terminé. Oh, moi, je dois vous offrir un peu de réconfort. Nous avons pris du café, mais nous avons quelque chose de plus fort. Un scotch whisky. Nous avons. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pense pas que cela vous soit une grande aide. J'ai besoin de vous réconforter. Juste un peu. Non, merci, je vais bien. Vous voulez juste un coup? Merde. C'est raté. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé. Yeah.
lancer. Et enfin, une bouteille de whisky peut servir de lentille. Et la bobine. Selon toi? Allez, qui êtes-vous? Je suis Agonie. Je suis le feu qui te consume de l'intérieur. Je suis le feu qui t'affaiblit mais qui te fait aussi avancer. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh. Ah. J'exerce tout mon pouvoir sur toi. Tu ne me l'as pas donné. Nous n'avons pas besoin de faire ça maintenant. Aide-toi toi-même par... trouve espoir. Dis-moi. Non, je ne partirai pas avant de vous avoir convaincu. Après tout, tu as peut-être la capacité, tu as choisi la souffrance. Ok, où suis-je maintenant? Et n'es-tu pas la chienne de Monsieur Talor? Ma fille? Même d'espoir, seconde partie. Donc c'était tout pour le live du jeu. Distrait. Distrain 2. La chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.